crois que c'est la parfaite opportunité ce soir, alors qu'il y a un magnifique coucher de soleil comme tous les soirs. J'ai pas mal un bon spot ici avec les petites loutres. Les chèvres sont là, là. Hi. Didi est là-bas. Hey Didi. Didi. Ça va Didi? Les poules sont là-bas. Waouh. Et donc je crois que c'est un bon moment pour vous partager ma recette très simple de fromage de chèvre. Ici j'ai eu l'opportunité d'expérimenter sur beaucoup de fromages différents. Les fromages, ça prend différentes cultures, il y a différentes façons de faire, mais la façon dont j'ai commencé, c'est avec un ingrédient très simple et ça permet vraiment de travailler comment faire du fromage. Donc voici ma recette de comment faire du fromage dans son fourgon aménagé. Alors pour faire du fromage de chèvre, il va vous falloir des chèvres, puis du lait. Non, plus sérieusement, il va falloir du lait et du vinaigre. Ça peut se faire également avec du citron, mais avec du vinaigre, c'est plus facile de contrôler l'acidité. Ce qu'on fait ici, c'est du chèvre acide, donc du fromage acide. Et dans le fond, c'est le vinaigre qui va faire travailler le lait. Le lait, on veut du lait cru parce que le lait cru, c'est la meilleure chose. Du lait cru de chèvre, évidemment. Et on va le laisser froid, mais pas trop. Parce que la température d'en faire du fromage, c'est la clé. C'est pour ça qu'il va vous falloir un thermomètre qui va vous permettre de contrôler vraiment la température et de savoir où vous êtes rendu dans le processus. Ensuite, pour égoutter le fromage, vous avez besoin d'une étamine et d'une passoire ou d'un moule à fromage si vous avez ça. Mais le cheesecloth, c'est comme on appelle l'étamine en anglais, c'est pas mal la meilleure chose qui existe. Et la clé dans réussir du fromage, c'est ne pas négliger les petites étapes comme par exemple faire bouillir et stériliser tout ce qu'on va utiliser pour faire le fromage. Donc faire bouillir de l'eau et une spatule comme ça, c'est très utile parce que je vais vous expliquer plus tard comment on remue le fromage, le lait caillé. Avant de faire du fromage. Vous allez voir que beaucoup de cette recette est un peu à l'œil, comme beaucoup de mes recettes. Et au début, moi j'étais très... je voulais vraiment avoir des proportions super précises parce que je connaissais rien à comment faire du fromage. Et après, plus j'en ai fait, plus j'ai réalisé que c'est avec la recette du fromage simple, acide, avec du vinaigre, elle est très à l'œil parce que c'est vraiment au feeling et selon un peu la température, qu'est-ce que ça prend comme quantité de vinaigre. Donc en général, je dirais que ça va être à peu près 3 cuillères à soupe de vinaigre pour 1,5 litre de lait. Moi là, j'ai à peu près 1 litre, je pense. Non, j'ai 1 litre et 300 millilitres. Donc ça va pas faire beaucoup de fromage, mais c'était juste pour vous montrer. Moi ici, je suis en train de travailler sur un cabecou qui, ça fait 2 semaines que je travaille dessus. Il est pour l'instant en train de s'affiner et donc ce week-end, dans quelques jours, on va finalement le manger ou en tout cas le tester en espérant qu'il est bon. Je vous montrerai quelques images. C'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire avec du lait et le fromage est un peu comme une sorte de passion qu'on développe et qu'on peut beaucoup travailler. Donc en tout cas, voilà. Si vous n'avez pas la chance de faire du woofing et de travailler dans des fermes avec des chèvres comme Flo y fait, vous pouvez toujours aller voir dans les alentours de votre région s'il y a un producteur de lait. Et souvent les producteurs de lait auront du lait cru. Au Canada, le lait cru est illégal. Pourtant, le fromage de lait cru affiné à plus de 60 jours ou quelque chose est légal, mais le fromage, contrairement à l'état de Washington où j'étais, le lait cru est interdit au Canada, mais si vous allez voir votre producteur local, où il y a parfois des coops, où il y a certaines petites techniques pour pouvoir avoir accès à du lait cru, bien, vous pouvez toujours vous en procurer, donc renseignez-vous, parce que le lait cru de chèvre, c'est, moi je ne bois pas de lait de vache, mais le lait de chèvre, c'est quelque chose que c'est beaucoup plus gras, il y a beaucoup plus de bons gras, il y a beaucoup moins de lactose, et surtout les nubiennes, les chèvres avec les grandes oreilles, mes préférées, mes petites amies, elles ont un gras qui est à peu près de 8%, donc ça donne des laits très riches et très très bons pour la santé avec modération et surtout pour les plaisirs sensoriels. Ok, donc passons à la recette. La clé pour réussir son fromage, c'est d'aller à température désirée le plus lentement possible. Pour la recette avec du vinaigre, la température qu'on veut, c'est entre 180 et 190 degrés Fahrenheit. Je mettrai les conversions, mais travailler en Fahrenheit pour faire du fromage, c'est beaucoup plus précis. Donc, je vous encourage à faire ça. Par contre, pour du chèvre avec du chèvre un peu moins... Attends, je verse. Je fais 1000 choses à la fois. Pour du chèvre... du vrai chèvre avec une culture, avec de l'affinage ou même juste du chèvre frais, on va vouloir une température qui est beaucoup plus basse. Donc, on va allumer. On veut un lait qui va monter en température très très basse. Donc, on va mettre notre feu très 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 bas. On va placer notre thermomètre, qui va plus ou moins nous donner une approximation, parce qu'on ne veut pas que le lait il boue, donc on veut que ça arrive juste quand il frémit. Donc vous pouvez faire ça même sans thermomètre, hein. Et moi d'ailleurs là, mon thermomètre, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois il a fondu avec le... alors que j'étais en train de stériliser, il a fondu ici. Oh non! Oh mon Dieu, il marchait hier quand j'ai fait du fromage. Ah, je vois un peu. Donc on va le poser. Donc maintenant on va regarder la température. Et ne pas oublier de mélanger. Le lait, on ne va pas le mélanger comme on va touiller genre une soupe ou quoi que ce soit. En fait, le lait, vu que la chaleur monte et descend, ce qu'on veut, c'est répartir la chaleur quand on remue le lait. Donc, tout au long de notre lait qui va réchauffer, on va faire monter comme ça notre lait. Donc, notre lait est à 187. Donc on va maintenant, vous voyez, il est juste en train de bouillir, donc il est vraiment juste avant son point d'ébullition. Et encore, on va faire ce qu'on veut, c'est vraiment que la chaleur soit uniforme, qu'il n'y ait pas de petites couches ou de... On veut vraiment que tout soit uniforme. Donc pour ceux qui n'ont pas de thermomètre, on peut voir, c'est un peu juste fumeux, un peu genre mousseux. Donc c'est ça qui nous dit, et puis on voit juste des petites bulles. Alright, donc maintenant, l'étape clé, on va couper la température. Et on va ajouter nos 3 cuillères, je vais vous dire. 1, 2, 3. Donc là maintenant on va touiller comme je vous ai dit tout à l'heure, et vous voyez déjà c'est de la magie, hein? C'est comme de la magie chimique. Donc là je pense que c'est assez agité. Juste pour que ça aille vraiment, que l'acide se propage dans tout le lait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est attendre entre à peu près 10 minutes, 10-15 bonnes minutes, pour que les bouts de fromage, eh bien, s'accumulent et soient un peu, eh bien, une forme un peu plus compacte, et soient remontés à la surface, et que le petit lait soit un peu bien, comme de l'eau d'une certaine manière. Si à l'école en chimie on apprenait à faire du fromage, je crois qu'on intéresserait beaucoup plus de jeunes à la chimie. Parce que c'est juste fantastique, parce que dans le fond, être fromager, faire du fromage, c'est de la chimie, on utilise des cultures qui sont des bactéries, et tout ça c'est vivant et ça interagit entre, la température interagit beaucoup avec avec quelle sorte de fromage on fait, quelle texture, quel goût, Et même avec cette histoire de goût, je trouve que pourquoi c'est assez incroyable le lait à petite échelle, la production de lait à petite échelle, c'est parce qu'on peut vraiment travailler le goût, notamment par rapport au type de chèvre qu'on a, que ce soit une certaine espèce qui a un lait très gras ou des chèvres comme Fanny, qui c'est une espèce suisse, ça s'appelle des Sanen, qui sont un lait beaucoup plus liquide. Donc mélanger tout ça, ça fait plein de petits paramètres qui font que tout ça, c'est assez fascinant. Nous, on se retrouve dans 5, 10, 15 petites minutes. Vous voyez que le petit lait est parfaitement liquide et qu'on a des superbes petites crottes de fromage qui sont prêtes à être mises dans notre étamine. Right. Oh, regardez ça, c'est trop beau. Donc avec notre petite étamine, on va maintenant égoutter ça. Et avec les fromages à culture, on va égoutter ça pendant très longtemps. Avec ce fromage-là, en fait, ce que j'adore avec cette recette de fromage acide, c'est que ça prend vraiment pas longtemps pour s'égoutter. Je dirais, allez, 10 minutes, on va le laisser. Donc la technique, c'est vous prenez une sorte de truc comme ça et vous pendez. Et si on se pendait? Vous connaissez cette pièce de Samuel Beckett. Et on va laisser pendre notre fromage. Alors, avec le petit lait, je ne sais pas si vous savez, mais le petit lait, ça peut faire une parfaite ricotta, ou vous pouvez l'utiliser pour faire cuire vos pâtes, votre riz, pour faire des crêpes, pour faire vraiment plein de choses. Donc là, on va faire égoutter notre petit fromage pendant, je dirais, allez, on lui donne 5-10 minutes. Bon, nous, pendant ce temps, on va juste admirer ce fabuleux coucher de soleil. Hein. C'est drôle parce que je prends beaucoup pour acquis tout cet endroit-là, sans réaliser à quel point c'est une vue tous les jours qui est extraordinaire. Passons à l'étape finale qui est qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Maintenant, notre fromage a vraiment bien été égoutté. Alors l'égouttage, c'est vraiment une question de préférence. Vous faites ce que vous voulez et c'est là où en fait beaucoup de différence se fait. Hein. C'est vraiment là, vous voyez, j'ai vraiment j'aime beaucoup la forme et la consistance parce que les fromages de chèvre avec une culture, c'est beaucoup plus facile d'avoir une consistance qui est facile à modeler. Mais ces fromages-là, parfois, ils ont des consistances un peu bizarres. Donc ça, c'est quand même une belle consistance pour quelque chose fait dans un véhicule. Mais maintenant, vous allez voir, on va juste tout déconstruire cette belle petite forme. Parce que le fromage, comment il est fait? Eh bien, il faut toujours travailler les grains. On fait jamais du fromage juste. Le fromage, ça se fait pas juste en claquant des doigts. Ce sont les grains qui, dépendamment de la façon dont on va les travailler, vont donner quelque chose. Donc, vous allez prendre une fourchette, un film plastique. Vous allez gentiment travailler, déconstruire vos grains de fromage. Et là, on va mettre du sel. Le sel, c'est à votre guise. Moi, j'aime bien quand mettre un petites deux pincées, je pense que c'est assez. C'est dans cette partie que la magie du fromage s'opère, parce que vous pouvez, avec cette recette facile, vraiment l'adapter à toutes les sauces. Vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre des herbes de Provence, vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi. Je vais ajouter un tout petit peu d'herbe de Provence, juste pour une petite pointe de goût. Et le miel, je pense que je le mettrai seulement après, de temps en temps, quand je veux manger ça comme un dessert. On va mettre nos grains sur notre feuille de plastique et vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Je ne sais jamais quelle est la meilleure façon de faire. Pas de catastrophe. Right. Oh mon tabarnak. Oh, pas si pire. Alright. Donc on a ça. Donc comme je vous disais, ça c'est notre petit lait. Avec ce petit lait, on peut faire vraiment n'importe quoi. Et on peut vraiment faire, on peut faire de la ricotta, on peut faire des crêpes, on peut faire des pâtes, on peut faire n'importe quoi, je vous l'ai dit déjà. Donc moi en fait, juste pour tout vous dire, pour rien vous cacher, je vais mettre une pointe de petit lait pour un peu réhydrater mes grains. Et maintenant, je vais mouler. Vous pouvez le manger comme ça aussi, hein. C'est très tentant en ce moment. D'ailleurs, si j'en mettais... Oh, je vais en garder un petit peu pour mon repas de maintenant. En fait, je pense que je vais devoir en manger. C'est l'excuse. L'excuse des gloutons, c'est ça. C'est, oh, je vais devoir en manger parce que... Ah, qu'est-ce que c'est bon. C'est trop simple, mais c'est trop bon. Je pense qu'on va juste faire une petite crotte. Je trouve que c'est la manière la plus facile de faire du fromage, c'est de faire sa crotte. Vous pouvez la mouler. Donc voici notre petite crotte de chèvre qu'on va mettre au frais, tranquillement. Et bien dans quelques heures ou demain, on va la ressortir. Et c'est notre petit fromage. On est le lendemain, petit déjeuner, on se fait des petits œufs, enfin deuxième petit déjeuner après avoir nourri tout le monde, tous les animaux, s'être occupé un peu du jardin et tout ça. Donc maintenant, je vais vous montrer le chèvre. Pourquoi on le fait en bûche? C'est parce que ben, c'est un peu plus facile à couper ensuite, hein. C'est la simple et bonne raison, c'est la seule raison. Et donc on va se faire... On va en couper un petit bout. Donc c'est un peu moins crémeux que si vous aviez eh bien, un chèvre de culture. Je vais vous montrer des photos de mon chèvre. Je vous en ai déjà montré, je vous les ai déjà montré. Mais c'est tout aussi bon et il y a un petit goût fumé que moi j'adore. Donc ça vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Moi j'aime bien mettre un peu de miel dessus, mettre des herbes de Provence, mettre du romarin, du thym, ce que vous voulez dans le fond. Donc on va mettre nos petits chèvres. On va en couper un autre. Et là je suis en train de penser en regardant la consistance de celui-là. Ce chèvre que j'ai fait, hier. Vous vous souvenez la recette de poutine que j'avais faite? C'était une de mes premières recettes l'an passé. Une des recettes dont je suis plus fier parce que c'était vraiment facile à faire puis c'était super bon, tout de A à Z. Je suis en train de penser que si on remplaçait les crottes de fromage par du fromage de chèvre un peu dur, ça pourrait faire une super bonne recette. Notre œuf au-dessus. Donc, Voilà comment faire du chèvre, c'est très facile. Il vous faut juste du bon lait cru de chèvre et du vinaigre ou du citron. Donc voici cette petite parenthèse de comment faire du fromage dans son véhicule. Bon appétit.